هذا راه نبدا خير فيديو هي فيديو ذا فيديو اخي غير فيديو واش بغات تكوبي Il y a l'équipe rapide de mesure, il y a l'équipe des anciens du Asco de Mesure, il y a l'équipe de Vitor de Mesure, qui est l'équipe de Saint-Similien, l'équipe de Moukhalfit de Détroit 1, alors que l'équipe des anciens de Mesure, c'est l'équipe de l'équipe de Mouton, c'est là, c'est ça. Donc c'est la demi-finale, la première demi-finale, comme je voulais le tirage au soir, qui est l'équipe de. Normalement, c'est les équipes qui sont là. Le premier match, malheureusement, le tirage au soir a fait que. Les équipes d'avant l'année dernière, il n'a qu'à essayer. Le deuxième match qui opposera donc tout à l'heure l'équipe Zoom Charles. Il y aura un deuxième match après. On va le présenter donc Inch'Allah qui le mieux gagné. Et que la sportivité soit présente des équipes pendant ce match qui va se jouer, qui se jouera en deux mettants de 30 000 chacun. L'ancien joueur du Asco de Mesure, en temps également ex-fonctionnaire à la PC de Mesure, à la Combe de Mesure, donc il est décidé le 31 août 2022, compté le 1er septembre 2022, qui a laissé un grand prix de la femme sportive à Mesure Oise, que ce soit à Mesure Oise, dans Bijaoui, dans le niveau national, parce qu'il est estimé par tout le monde. L'ancien joueur qui n'a jamais eu de carton ni jaune ni rouge, il s'est avéré dans un match. Qui s'est joué ici à Mesure, il y avait un arbitre qui lui a octroyé un carton rouge, mais arrivé à la Ligue régionale de Constantine, la commission de discipline s'était montrée stupéfaite devant le fait
en disant, en affirmant que ce joueur ne mérite pas le carton rouge, donc de par sa conduite et son bien sûr était un football. Donc ce n'est ce carton rouge né et il compresse tout sur le plan technique, c'est ce carton rouge. Donc il fait partie, Hassim Ansari fait partie de l'un des rares joueurs avec Abdelhamid Salahi de Renton City qui n'ont jamais eu de carton, les jaunes, les rouges dans leur carrière footballistique. Donc le tournoi il est organisé par l'Union sportive, la Nation sportive Marjouamane en collaboration avec la PCG à mesure. Donc on a mis tous les moyens pour que ce tournoi soit une réussite totale. Dans la mesure où il y avait donc 8 équipes participantes, la plus grande journée c'est le 13 juillet, donc il y avait deux matchs et quatre finales. Il y avait deux autres matchs et quatre finales. Aujourd'hui, c'est la première demi-finale qui se joue en ce moment au niveau du stade communal de l'arbitre de la mesure entre l'équipe de la PC de la mesure qui avait éliminé pour rappel l'équipe Boukhan Fatni sur le sport 1 et l'équipe des anciens de l'Union de la mesure à l'éviter en USO qui avait éliminé l'équipe Boukhan sur le sport 7-3. Donc le match sera très disputé et se jouera dans les impériaux totales, sachant que ce sera une place en finale et qui se jouera pour rappel mercredi 5 juillet à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire du 12e anniversaire de l'indépendance de la jeunesse. Donc mercredi prochain, ce sera en finale ici au stade de la Coupe de Mesure à partir de 17h. Donc le vainqueur sur le match sera et qui se joue actuellement en ce moment contre le vainqueur du 12e match qui se jouera après la fin de ce premier match. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. On reviendra en détail avec des séquences et tout ce qui s'ensuit.